elle était touchée. Le 5 décembre 2017, le monde de la musique française était en deuil suite à l'annonce du décès de Johnny Hallyday, des suites d'un cancer du poumon. Le rocker, âgé de 74 ans, a marqué toute une génération et il n'a jamais été oublié. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mardi 7 décembre, Cyril Hanouna avait invité Sylvie Vartan. Pour l'occasion, il a diffusé des images des obsèques du rocker. Une initiative de l'emblématique présentateur de C8 qui n'a pas beaucoup plu à la chanteuse qui avait remis ses lunettes de soleil pour cacher sa tristesse. Mais pourquoi repasser ces images tristes? A-t-elle ainsi demandé. Ce à quoi Cyril Hanouna a répondu, mais non mais ce n'est pas que si est triste. De son côté, Gilles Verdet a trouvé les mots juste en indiquant, ça fait du bien de se souvenir. Une remarque qui a beaucoup touché Sylvie Vartan, si est vrai que la ferveur des gens m'a beaucoup touché. Si est quelque chose de très très émouvant, a-t-elle conclu. Un moment inoubliable. Si est au début des années 1960 que Sylvie Vartan a fait la rencontre de Johnny Hallyday. Celle-ci s'est déroulée dans les coulisses de l'Olympia et la chanteuse l'a évoquée sur le plateau de Cyril Hanouna. Moi j'étais très timide, c'était la première fois que je passais sur scène, ou presque. Je faisais ce que j'avais à faire, puis je retrouvais mon frère qui était mon directeur artistique, s'est-elle d'abord souvenue. Toutefois, elle n'a pas souhaité donner davantage de précisions. On ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas épiloguer, en parler, on en a tellement parlé, tout le monde sait tout, a-t-elle assuré. De son côté, Cyril Hanouna a souhaité lire une interview de Johnny Hallyday dans laquelle il évoquait sa rencontre avec Sylvie Vartan. J'étais avec mon ami Eddie Vartan. À ce moment-là, passe Sylvie. J'ignorais qu'elle était sa sœur. Je lui dis, tu as vu cette fille? Elle est bien, je me la ferai bien. Sans répondre, Eddie appelle Sylvie et dit, Sylvie, je te présente Johnny un ami, Johnny, je te présente Sylvie, ma sœur. Je ne savais plus où me mettre. Un souvenir qui a beaucoup amusé la chanteuse. Sylvie Vartan, il était très timide. Sur le plateau de Cyril Hanouna, Sylvie Vartan était bien décidée à faire quelques confidences concernant Johnny Hallyday. Alors que le présentateur venait de raconter une anecdote sur sa rencontre avec le rocker, la chanteuse a assuré, si est-il possible qu'il ait été gêné, il était très timide. Par la suite, elle a affirmé, c'était le langage entre garçons. Malgré le temps qui passe, Sylvie Vartan n'a jamais oublié le taulier.